Mieux, enfin. Montre-nous comme tu sais faire, Joanne, comme on vient de t'apprendre. Ouais, vas-y. Ben voilà, ça y est, enfin, ça arrive. Alors, je vous présente Agnès, dont je vous ai parlé beaucoup lors de ma première vidéo, pour mon premier essai. Et voilà. Et aujourd'hui, on retente le coup en mettant encore plus de difficultés. Ah bah là, c'est clair, hein. Froid, petite pluie, neige, grosse humidité. Et donc, toi, tu l'avais fait avec du boulot. Moi, je vais essayer avec du bois gras. Voilà, je vais te montrer ça. Ok, d'accord, on regarde. C'est pas gagné que ça marche, hein. Je suis désolée, hein. Mais ça, ce n'est pas mal. Alors, soit on détache les petits copeaux comme ça, déjà. Soit on rate. Il y a le vent. Le vent, on avait oublié le vent. Regarde. Voilà, ça peut pas être pire. Si on y arrive, enfin si tu y arrives, t'es trop forte. Donc ça, là, cette méthode-là, elle est vraiment bien parce que ça, tu vois, ça fait ces espèces de petits chouettes là. Et ça, ça s'enferme vraiment. Oh, ça sent bon. Et puis ça sent très bon. Ouais, ouais, effectivement, ça sent le pain. Ouais. Donc moi, je le fais toujours du bas vers le haut. Faut quand même faire attention à son doigt. Faut mettre des gants. Parce que là, comme ça, ça marche nettement moins bien. Mais là, t'as vu, ça sent bon. Oh là 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 là. Il y a un gros courant d'air. Si j'en perds la moitié, je vais faire. Il faudrait se trouver un paravent. Ah oui, je viens de trouver, je vais chercher. Paravent. Ça permet de garder un peu la... l'espace un peu plus confiné. Bon, allez, on doit avoir la dose. Voilà. D'accord. Donc, c'est bien beau d'avoir ça, mais... regarde ça. Pour l'instant, finalement, on n'a pas vraiment de petit bois, machin. Il aurait fallu bâtonner un petit peu pour... On est parti. Donc c'est moi qui fais les commentaires pendant que Véronique essaye. Alors, j'ai pas l'équilibre. J'ai pas l'équilibre. Ah ouais. J'ai mal au genou. Ah. C'est le truc chiant. Voilà. C'est bon, je l'équilibre. Alors, tu essayes de poser le fire steel un petit peu, voilà, en 45 degrés et de frotter. Ouais, ça y est. Ah, yeah. Tu mets ton boulot. Vite, Lily, boulot. Tu peux te rapprocher à la limite, Lily, s'il te plaît. Un seul, ça suffira ou j'en mets plus? Oh, tu peux en mettre deux. Tu peux en mettre trois, même, soyons parade. Hop. Tac, maintenant que tu as mis ton boulot, ça sécurise le feu, tu vas le mettre dans la passoire. On a déjà un petit peu sécurisé le fond, voilà. Tac. Hop, hop, hop. Ensuite, on va mettre un petit peu les copeaux. Bon, tout est bien préparé à l'avance. Doucement. Voilà, tranquille, pour pas l'étouffer. Donc moi, je m'occupe de la scène, hein. C'est moi la caméraman pour Véronique, hein. Oh, et le petit-fils qui se casse la figure. Et toi, Lily, t'es ma caméraman. Voilà. Et ben là, ça. On va pouvoir mettre. Tac. Et maintenant, ce que t'as bâtonné, et là, donc, on les met au fur et à mesure, du plus petit, au plus grand. Tac. D'accord. En laissant effectivement des espaces, en n'étouffant pas tout ça. Voilà. Et théoriquement, ça devrait partir. Si vraiment on voit que ça a tendance à s'éteindre, là, on prend des petits morceaux de bois gras. Je dois en avoir dans ma caisse et ça servira d'allume-feu pour continuer à avoir une flamme. Vite. Et on peut. Allez. Mettre un petit peu de copeaux. Bon, je vous laisse, hein. Au revoir. Tiens, Véronique. Oui. Donc, pour les allumettes. Alors, la technique, c'est vraiment le mettre au milieu, taper et ensuite, hop, oh. Écarter. Écarter, exactement. Et là, on peut faire des trucs vraiment super fins. Ça peut être vraiment pratique. On peut continuer comme ça, prendre le morceau. Et... Hop.
etc. Ça suit la fibre du bois, c'est nickel. Et ça peut faire des choses vraiment très très fines. Comme des petites allumettes. Voilà. Et j'ai pas dit assez gros bâton. Non, je vais pas y arriver. Ouais. Okay. Non, puis il n'y a pas faire... envie de se s'ouvrir. Non, non, attends, si, il y a une technique sinon. Ah oui. Attends. Non, pas ça. Pas ça. J'essaie de la sortir. C'est que tu prends. Ouais. Tu prends en fait avec ton couteau que j'ai mis, je sais pas où. Ouais. Il y a des nœuds, ça va être assez horrible. Et sinon, je te dis, ah ouais, j'ai pas pensé à ça. D'accord. Tu le bâtonnes, en fait, comme ça, pour enlever. Que des. Ah, bah ouais, comme si c'était les bouts d'écorce, quoi. Mais bon, il est quand même super gros. Ouais, puis je sais pas, il a beau être hyper léger, il est. Ouais, il est encore. Il est bien. Bon, il est vraiment dense, ou je sais pas quoi. Après. Lui, il est mort, mais. Il est vivant, mais. Il est vivant, mais il est mort. Ah oui, au bout d'un moment, ça brûle. Non, mais là, il est vraiment trop gros, ce truc. Mais sinon, c'est une autre technique. Sinon, après, c'est les coins. Il faudrait fabriquer un coin. Un coin-coin. D'accord. Un petit coin-coin. En bois, bon, c'est assez rapide, mais. Voilà. Non, c'est vite. Sur les côtés, comme ça. J'ai pas pris mon gros couteau. Je suis désolée. C'est pas grave. Sinon, je l'aurais eu. Sinon, j'aurais. Alors, c'est en chamallow, maintenant que le feu a démarré. Ouh, bah ça prend bien la couleur très vite. Allez, les 4 heures, c'est l'heure du goûter. Et moi, j'ai alors, même pas mangé. Oh, il va être cramé ton oui, chamallow, là. Je vais préparer un petit truc ou deux. Alors, attention. Voilà, ça fait une torche. Oups. Dans la oh, neige. Oh, il est fichu maintenant. Mais non, il est pas fichu. C'est de la neige. Mais déjà, c'est de la neige, c'est pas sale, mais c'est surtout qu'il a fait un petit peu trop cramé quand même. Ouais, ouais. Je crois qu'il faudra en faire un autre. Bon, allez, c'est pas. Un autre, s'il te plaît, maman. Attends. Hein? Le problème. Alors, cette expérience chamallow. Quand c'est très bien passé. Le chamallow, il a grillé, mais quand même, il est bon. Mmh. Et toi, Lily? C'était trop bon. Très bon. Sauf un peu brûlé. Ah oui. Est-ce que c'est bon brûlé? Je verrai le prochain. Moi je vais mettre d'un autre côté moi. Ah bon, les petites brochettes en bois, même passées sous l'eau, ça marche pas, ça brûle trop vite. Et oui, c'est pour ça qu'on prend du verre exceptionnellement. J'aime pas ça, c'est pas cool, mais c'est juste deux petites branches, d'accord, qu'on va écorcer. Désolé, mais moi j'aime. Quoi, t'en veux plus? Ah, bah on va faire qu'une, c'est pas grave, après ce sera pour moi aussi. Donc là, tac, on écorce un peu le bout. On a fait un petit peu pointu. Maman, je vais en prendre un pour en attraper. Bah, ça, c'est le vert. Les secs, je les ai coupés, ils sont un peu petits maintenant. Voilà, donc les petites pointes pour mettre le chamallow. Et là, du coup, ça va pas casser, ça va pas brûler aussi vite que les pics à brochette. Les pics à brochette, ça peut prendre du oh, feu. Les chamallows. Très bien. Tiens. Ouais. Quand j'étais jeune, comme si je l'étais plus, mais c'est pas grave. Les copains adoraient ça et moi, je sais pas, je me demandais comment ils faisaient pour adorer. Là, c'était un peu hier. Voilà, donc tu vois, là il prend la couleur, on le laisse pas trop longtemps. Tac. Ça noircit déjà. Là, voilà. Mais le bâton n'a pas brûlé. Mais le bâton, là, du tout. Pas brûlé du tout. Voilà, ça va. Voilà, la bonne sèche-niche. Qui en veut? Moi. Vas-y. Non, non, tu le prends directement, tu attends qu'il refroidisse et ensuite tu le manges directement. Allez.